On est en route pour la soirée Halloween Horror Night et la soirée commence bien. Maxi discothèque. Hey, il m'a surpris, j'étais en train de prendre une photo. Il était derrière avec sa tronçonneuse. Ils arrivent toujours par derrière ici. Ah, je les rejoins, je reste pas tout seul ici moi. Je crois qu'il est derrière là. Ça passera mieux comme ça, on aura peut-être un peu moins peur avec des bières. Ah. Ou alors l'intensité sera encore plus intense. On est sur le point de pénétrer dans la toute première maison hantée. Rémi. Oui, et ben déjà on s'est bien fait secouer. T'as pas peur? J'ai un petit peu... Non, j'ai pas peur. T'as pas la pression un petit peu? Pas du tout. Rien. Non. Ah alors bon, non, je rigole. On va essayer de résister à la peur parce que les maisons hantées sont toutes classifiées selon un indice de peur. Et j'ai hâte de faire celle qui est cotée 5 sur 5 en mode indice de peur. Donc on va voir. C'est celle de The Thing, du film The Thing. C'était comment cette première maison hantée? Écoute, c'était vachement bien en fait. Des fois, t'as des mecs qui surgissent sur toi. Bah et tu sursautes comme une merde en fait. Mais personnellement, hop là. Personnellement, j'ai encore crié comme une gonzesse, mais ce n'est que le début. Je pense que je vais beaucoup crier ce soir et que je vais beaucoup chier dans mon froc. Yeah! Wow! Moi, ce que j'aime, c'est les filles qui crient. On vient d'acheter, ça ressemble à des poches de sang, mais en fait c'est des shots de Sex on the Beach. Donc Rémi, je t'en prie. Je vais vous en dire des nouvelles. C'est bon. Tous les à peu près 100 mètres, il y a un stand pour acheter de l'alcool. Quand on a pris des shots dans des éprouvettes, on lâche rien. Regarde comment je vais me l'enfiler. Enfile-toi ça. Il le fait, on le fait. One shot. One shot. On est prêt à affronter les plus maîtrisables, toutes les maisons les plus terrifiantes d'Halloween Horror Night. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Tu as quelque chose à dire? Qu'il y a v'là les meufs sexy à la Horror Night. Et tout. Toi aussi t'as mis tes lunettes en 3D? Il y a un mec au plafond. On vient de faire une maison hantée en 3D et c'était assez impressionnant. Déjà, ça fait peur en mode normal, mais en mode 3D, c'était encore plus terrifiant. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des turkey legs, des cuisses de dinde. On va les défoncer. Bon appétit. Bon appétit. C'est énorme, tu pourras assommer un mec avec. Ici, à Halloween Horror Night, il y a une dizaine de zones d'horreur et une dizaine de maisons hantées, toutes sur des thèmes différents.